Alors oui, j'ai pas une tête super parce que voilà, faut que je fasse mes mèches, mais pour l'instant j'ai pas envie. Voilà, j'ai encore des vertiges. J'ai vu le kiné, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse des exercices. Si vous voulez, je vous les montrerai parce qu'il m'a filmé en train de faire les exercices. C'est loin d'être facile. Je dois vous montrer. En attendant, je suis allée à la Boétie, comme c'est aux Champs-Élysées. Je suis allée à la aux Champs-Élysées à Monoprix. Donc j'ai pris de la soupe à 2,05 €. Il n'y avait personne. Enfin, il y avait très peu de monde, quoi. Donc ça, c'est cool. J'ai pris ça, street freeze, beef barbecue. J'arrive pas à parler. J'ai payé ça 3,49 €. Franchement, ça fait un petit moment que j'ai envie de manger ça de chez Mike Ken. La date, décembre 2021. Ah bon? Bah, j'ai largement le temps de le manger, donc je vais le mettre au frais. Alors, j'ai repris des desserts, parce que vous savez que je suis dessert. J'ai pris des crumbles aux pommes et aux fruits rouges, 2 euros et des bananes, 2,40 € ou 2,80 €, j'en sais rien. Franchement, je me suis fait plaisir, honnêtement. J'ai pris 2 euros orange pamplemousse acérola. Acérola, c'est très bon pour la santé. Et j'ai un peu. Je ne suis pas maquillée hein, du tout, j'ai juste mis un petit rouge à lèvres pour vous faire plaisir. J'ai pris vraiment tarte aux pommes. Alors, pareil, j'ai regardé la date. Assez éloigné, comme ça quand j'ai. En fait, il faut que je retourne 2 fois par semaine voir le kiné vestibulaire jusqu'à temps que tout soit remis en. C'est à cause de ma chute, hein. J'ai encore la bosse, hein, de mon étourdissement. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, j'ai perdu connaissance. Alors, bonne maman, tarte tatin aux pommes, j'adore. Donc j'ai pris ça, 2,80 € je crois, 2,40 €. Alors par contre, ça, c'était pas cher du tout. Des navelles. Orange à dessert, je les ai payés 2 euros, 1,99 €, franchement. J'ai pris un pot de moutarde à Forte de Dijon, 1 euro. Voilà, j'aime bien la moutarde. Je me suis repris ça parce que je mangerai avec des kiwis, pas ceux que j'ai achetés l'autre fois, je les ai pris poubelles, ils étaient immangeables. Donc j'en achèterai ailleurs. Je les ai payés 3 euros. J'ai pris. Un potimarron, 1,49 €. C'est plutôt pour faire un petit décor. J'ai pris des clafoutis aux cerises, 2,29 €. Franchement, moi, les desserts. Ça, c'est Enjoy Phoenix. Ça, que j'ai acheté. J'en ai plein d'ailleurs. Il faudrait que je les mette. 21 novembre, des viennois. J'aime pas les viennois au chocolat, mais chocolat comme ça, j'adore. 1,55 € des petites grignotes. Oui, je vous dis, je vais pas arrêter de grignoter. Eh bien, moi, confinement, j'ai fait le concours pour devenir une grosse patate. Déjà un coca et déjà 2 pains au chocolat. Bon appétit! J'ai pris du gruyère râpé, 1 euro, je crois. Mais en plus, c'est bien parce que ces petits paquets, c'est mieux que. J'aurais dû en prendre plus d'ailleurs. J'ai pris 1,49 € mes yaourts brebis. J'adore. Au citron. Et j'ai pris de la salade pour qu'elle se garde à 1 euro les 3. Je n'arrive pas à croire qu'on va être en confinement demain. C'est un truc de fou, hein. 1 euro les knackis pur bord. Et puis des petits fromages 2,60 €, 2,80 €, j'en ai pris 5. Voilà, j'ai pas fait attention au prix, sincèrement. Et puis ça pour grignoter 1 euro. Des petits saucissons. Comme ça. Regardez, c'est top, hein? Voilà. Et je suis allée à la pharmacie. Et il m'a conseillé. J'en prenais avant. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc antidépresseur. C'est très bon. Rhodiole. Voilà. Je vous conseille de prendre ça. L'anti-stress, c'est des plantes. J'en ai déjà pris plusieurs fois. Mais là, comme je suis pas bien, il faut vraiment que plutôt que je prenne de l'exomile. Mais voilà. Vous voyez, il faut que j'en prenne un le matin et le soir. Et ça, c'est très très bon. Rhodiole. Si vous n'êtes pas bien, vous voulez des plantes. Un anti-stress, il n'y a rien de tel. Comme ceci. Et la méditation, bien sûr. Et puis, par hasard, j'ai pris ça. C'est le micro que j'ai commandé. Faut pas que je me baisse. Du moins, il faut que je me baisse, mais il faut que je me baisse bizarrement, quoi. Faut pas que je baisse la tête. Voilà. Il va falloir que j'apprenne à le faire.
Voilà, je suis essoufflée parce que j'ai fait beaucoup d'exercices aujourd'hui. On m'a fait voir des trucs en 3D, genre le soleil qui s'écrasait sur moi, les planètes. Du coup, ben tant pis. Voilà, son parfum, je m'en fous complètement. Bref, sur ce, je vous fais plein plein de bisous. Voilà, c'est une personne qui me fait peur, donc j'ai pas envie de retourner à l'hôpital, surtout en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc voilà, donc je préfère être bien. Ma chérie, mamie Corinne, un gros coucou à toi. Je t'aime, tu es mon ange gardien, tu es ma sœurette d'amour, je t'aime à la folie, tu le sais, je sais pas comment. Je peux te dire plus que je t'aime et j'aimerais bien te voir, mais malheureusement, ça va être compliqué encore. Voilà, et puis je vous aime tous, mes choubidous. Je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Ne vous inquiétez pas, je suis pas malade. Hein. C'est juste que voilà, c'est des vertiges, c'est compliqué à gérer. Mais il m'a dit qu'il fallait que je marche, fallait que je cours, même si je cours, que je peux tomber, enfin, que je peux être pas bien, c'est normal. Mais il faut absolument que je fasse 45 exercices. Voilà, 15 fois chaque truc. Alors, ça veut dire que le pouce, faut mettre son œil là, voilà. Un coup à droite, un coup à gauche, faut suivre avec les yeux. Après, faut faire comme ça, faut faire la même chose. Et après, le pire pour moi, c'est de baisser la tête et de la remonter 15 fois. Alors là, ça va être chaud, chaud patate. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que mon cerveau se réhabitue. J'ai une petite chute et du coup, ben voilà, faut tout remettre en ordre. Je vous embrasse. I love you. Ah, même d'avoir appuyé, ça me fait mal. J'ai encore la bosse. I love you. Je lui ai dit, je te quiero, ti amo. Bye bye. Ciao. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et abonnez-vous aussi à Mamie Corinne parce qu'elle est comme ça.